Praise the Lord. Gloire à Dieu. My name is Chef Valentine Mokwe. Je m'appelle Valentin. I came all the way from Fumbot. Je sors de Fumbot. I was studying in lycée bilingue. J'ai appris à lycée bilingue. So I called my sister one day and told her I need her help. Et j'ai appelé ma sœur, j'ai dit que j'ai besoin de son aide. I told her I have been having dreams, I mean a lot of dreams. Et j'ai demandé les rêves. And the most serious dream that I had was about me visiting Satan, and we talked for a while. Le rêve le plus sérieux qu'on a eu, c'est que j'ai eu le rêve que j'ai rendu visite à Satan, on a tellement causé. That became very troublesome in me. C'est vraiment tellement dérangé. So I told her, and then she prayed to me over the telephone. J'ai dit à ma sœur, elle a prié avec moi à travers le portable. As we prayed like that, she told me that she would pay me a visit. Comment prier comme ça? Elle dit qu'elle va me rendre visite. Then, as I was calling, one Saturday, she came and visited me in Fumbot. Comme je fréquentais, elle savait dire, elle va me rendre visite à Fumbot. We had to dance together. Amen. Amen. Everything is going chomfer, chomfer, chomfer. Listen. She said he had an articular dream. Il a eu un certain rêve. He normally visits who? Satan. Il a rendu visite au diable, Satan. Now, what you are seeing here now? C'est quoi vous voyez pour cette image? Most of us may be acquainted with this. Mais beaucoup de gens ont déjà vu ça. But this is no longer what you see on the pages. C'est pas les choses que les gens voient souvent. This is a demonic symbol. Ça c'est un symbole démoniaque. This is a satanic symbol. C'est un symbole satanique. This is initiated. Ça c'est l'initiation. Completely demon. C'est démoniaque. We receive this thing through him. On a reçu ça à travers ces garçons. This symbol. C'est un symbole. Through this thing that this man we are hypnotized. C'est à travers cette image il était hypnotisé. Possessed. Il était possédé. It's through this. À travers ça. What you are seeing now. C'est qu'on voit maintenant. Yesterday they came with a shirt. Ils ont mis la même chemise. A pullover. Un pullover. That the same thing is on the back of that. C'est même image sur ce pullover derrière. And on the head of that pullover. Et sur les manches de ce pullover. They have a belt that the same thing is on the belt. Même la ceinture aussi a cette même image. Belt. La ceinture. Here. Ici. Which I commanded the sister to go and destroy it. Et j'ai ordonné sa sœur de partir détruire tout ça. What you are seeing is a satanic symbol. Ça c'est un symbole satanique. If this thing is not being destroyed, you cannot look at this. Si on ne détruit pas ça, tu vas regarder ça. If you look at this, it will be hypnotized. Si tu regardes ça, tu vas même serait hypnotisé. How could you come about this position? Who led you to this kind of thing? Qui t'a amené dans ces choses comme ça? It is one of my brother. C'est l'un de mes frères. Brother, is it your biological brother or your cousin? Ton frère biologique c'est qui? It's my niece. Your niece. Nephew. Your nephew, right? C'est mon neveu. That led you to this. Yes. How did he lead you to this? He stays in this dwala and then he bought the book, came and gave us with together with my junior ones. Mon neveu a acheté cette caille à dwala, il est venu lui donner là-bas pour voir quoi est le petit frère. And he asked us to place the stickers in our books and most of them were placed on our fridge. Comme il y avait les autocollants, on a mis ça dans nos cahiers et sur les frigos. Take note. Notez. His nephew. Son neveu. Let me say cousin. It cannot be his nephew. Ça peut être son neveu. We call it cousin. On appelle ça cousin. Because his nephew is his own sister's child. Mais son neveu peut être le fils de sa soeur ou son frère. Definitely, this is his what? Sûrement son cousin. Now, that bought this from Douala. Qui a acheté ça de Douala? And give to them and give them a certain instruction to place this thing in the fridge and in their books. Il a dit ça d'afficher ça dans les cahiers et sur les frigo. Then after you pasted this thing on your material, what happened? Après ça, on avait affiché ça. As we placed it like that, he told us that whenever we're going to school, we should learn seriously that these stickers can help us. That's what he told us. Quand on a bien appris, par exemple, quand on collant, nous a donné, ça va nous aider à l'école. That the sticker will help people.
In which way? In which way that the sticker will help you people? The sticker becomes a teacher to you people, or a helper? No, he just told us that we took place in our books, and then he never told us the works of the stickers. Il n'a pas expliqué comment cette autocollant va nous aider si on met dans nos livres. The pullover that came yesterday, who gave it to you? Qui t'a donné ce pullover aussi? He bought it himself. C'est lui-même qui a aussi acheté ça. And if this one becomes nothing, how can this thing have the same mark? Si c'est rien, comment ça va même image dans le cahier sur le pullover? What was the name that written there? Quel est le nom écrit cette t-shirt? Telepram Records. Telepram what? Record. Telepram Records. This is the name of occult. Voilà le nom de la secte, Telepram Records. Imaginez. A very big pullover here. Un grand pullover. This thing hanged here. Cette image est sous derrière. On the wrist of the shirt. C'est les manches de ce pullover. Cette image était toujours là-bas. You can see that the world is in trouble. Vous pouvez voir que le monde entier dans les problèmes. The world at large. Le monde entier was a big mess. Est dans les problèmes. How come? Look at how old are you? Vous avez quel âge? 20 years. J'ai 20 ans. 20 years old gang has been introduced to cult. On a déjà introduit un enfant de 20 ans à la secte. That if our youth have been initiated by this age. Si nos jeunes sont initiés à cet âge-ci. You should agree with me that there's no future ahead of us. Vous comprenez qu'il n'y a pas de futur pour nous. It's not so, church. Et là, c'est comme ça. If our teenagers, si nos jeunes, they are the hope of future, right? C'est eux l'espoir du futur. They are the hope of tomorrow. C'est eux l'espoir de notre demain. And if the enemy has sowed evil seed today on our si l'ennemi a déjà planté mauvaise semence à eux, the question you ask your neighbor, how did the future will look like? La question va se poser que le futur va nous se présenter comment? It will be all satanic and demonic. Le futur sera seulement satanic et démoniaque. He came, who bought you that knife? Qui t'a acheté cette photo? That's a knife you came here with. Tu es venu avec une photo? He also bought it for me. C'est mon cousin. If he sees this knife, terrible. Tu vois cette photo, c'est terrible. If he touches it, he will see the mouth. Dès que tu touches ça, les dents sortent une fois. But after his deliverance. Après sa délivrance. Can you be able to open that knife yesterday? Tu peux ouvrir cette photo? Hein? No. C'est coupé automatiquement, tout ça, ça s'ouvre. He struggled to open this knife. I was looking at him. Mais la délivrance, il a essayé d'ouvrir cette couteau, ça n'a pas s'ouvrir. He said, sir. Il a dit, monsieur. I cannot be able to open it. Je n'arrive même pas à ouvrir cette couteau. I said, you set it. Et puis, tu sais, tu te dents. Was struggling, trying. Il a bagarré avec ses dents, il a essayé avec ses dents, ça ne s'ouvrait pas. I said, you are. Il a dit que tu es délivré. Ici à l'église. This knife is American stuff. C'est pour de la façon de l'Amérique. It has, it just, I call it a gadget. J'appelle ça un gadget. It's strong devices. Ils ont les instruments de fort. It has facility to use it. Il y a ça plus de choses qu'on peut faire avec. There's a place you will touch it. Il y a un endroit où tu touches. You bring out many functions. Ça sortit plus de parties, beaucoup de parties vont sortir. If you touch it, you will go back. Dès que tu touches ça, ça rentre dedans. And became one thing like that. Ça devient une seule chose encore. As you touch it, the mouth will dès que tu touches ça, beaucoup de choses vont sortir dedans. Different les choses différentes, les dents différentes vont sortir. After your deliverance, how do you feel? Après la délivrance, comment tu te sens maintenant? I'm feeling fine. Is it, ça va bien. Let me say the day we were asked to throw our waters down. Le jour qu'on a ordonné de passer l'eau ici. I threw my own water down. As I threw it, I felt a rope being untied on me. Right. So, what is that? What's happening? Quand j'ai passé ma part, j'ai ressenti comment on me détachait. La corde s'est détachée sur de moi. I started laughing seriously. I told my sister, can you see me? Can you see me? I told her, I'm feeling fine. I'm free. I'm free. Je commence à rire. Je me sens comme un lapin. How many of you were here with me?
Je sais ça. They hit it until ils ont frappé ça au sol. Les gars sont fatigués, ça ne pesait pas. Until my pastor breaking song, breaking. Parce que mon pasteur dit pesait même les autres. Imagine a certain water that mistakenly. Même quand ça a que ça se pèse, ça se tombe, ça se pèse une fois. But that day we mais le jour là, on a frappé, ça ne pesait pas. He said, yes. He broke his own. Dès qu'il a pesé sa part. There's a rope here. Il y a la corde sa main. That hold him ransom. Qui le tenait. We are loosed. Cette corde-là s'est détachée des armes. The Lord will lose you today. Aujourd'hui, le Seigneur va te détacher. He said, automatically. Automatiquement. As he struck, he started water. Dès qu'il a frappé son sachet d'eau. He said, every satanic connection. Toute connexion satanique. That chain that demon have connected him to. Cette chaîne que le démon l'a connecté à lui-même. We are disconnected. Moi, j'ai déconnecté. And he told his sister that something has happened. Il a dit à sa sœur que quelque chose est arrivé. He said, sister. Dis, ma sœur. Can you see what is happening? Tu vois ce qui se passe? I said, wow. Sa sœur dit, wow. He said, I'm feeling okay. Je sens déjà bien. They took his memory. He was not bright like this. On n'avait même plus son cerveau. Il n'était pas assez intelligent comme ça. He was walking, walking. Quand il marchait pas comme quelqu'un, il n'avait pas un cerveau. Just focus. Il m'a toujours focalisé. Hein? Quand il m'a dit, hein? Hein? How he does? I don't know that this guy can talk. Il savait pas qu'il pouvait même parler. What kind of God is this now? Ça c'est déjà de Dieu. You heard the testimony of 16 years what? Barrenness. L'a compris le témoignage de 16 ans de stérilité. Amen. Amen. We are conceived, right? Appelez le commandant. Vous avez compris ça ici. This is a demonic strong, demonic bomb. Ça c'est un témoignage tellement fort. We are saved. Et tu as été sauvé. Don't you believe that your own case today is settled? Don't you believe that your own case today is settled? You don't need any prophet to tell you that it is settled today. Tu n'as pas besoin de prophète de dire que c'est réglé. Just hear what they are saying. Vous m'avez écouté ce qu'ils parlent. Then you will judge yourself that my case is settled today. Écoute ce qu'ils disent, soit de juger que mon cas est réglé aujourd'hui. My brother. Mon frère. What is your advice to the people that is listening to you? Quel est ton conseil aux gens qui t'écoutent? What do you have to tell to our youth and our... Qu'est-ce que tu as dit à nos jeunes? My advice to everybody is that we should be careful of the type of things we collect from people. Even our brothers and our sisters can lead us to danger and can make us to lose heaven or belong and can cause us to can initiate us to any demonic kingdom. Mon conseil c'est qu'on doit se méfier des choses qu'on prend même des gens. Parce que même nos propres frères ou nos propres soeurs, même nous initier même dans la secte ou dans le rang des ténèbres, on va rater le ciel. So we should have no trust in anybody. On ne peut pas avoir confiance en aucun. But to Jesus Christ. Mais en Jésus seulement. Maintenant, vous êtes délivré. Is to walk on the footsteps of our Lord Jesus. Mais vous traversez les pas de Jésus Christ. Amen. You have finished your faith. Il faut que tu arrives à finir ta foi. You have been at the end. Il a dit ton début, la fin de ta foi. Then he will direct you. Là, il va te diriger maintenant. Thank you, my brother. Merci. Que Dieu te bénisse.